T'as envie de te régaler une dernière fois sur FIFA 22 avant la sortie du 23, alors je te conseille d'aller check IG Vote. Ça tombe bien, le marché des transferts n'a jamais été aussi bas et c'est vraiment le moment si tu veux terminer en beauté et faire une équipe ultime de rêve. Tout est en description. T'en as marre d'être en division 7 sur FIFA ? Alors check Level Up, la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez-moi, ça va très très bien. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qu'on sort d'habitude un petit peu plus tard dans le mois de septembre. Les notes sur FIFA 23 ont été leaks, les gars. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ont loupé un épisode, en gros, le jeu était bien disponible sur Xbox pendant une heure ou deux. eSport a dû se planter. Normalement, le jeu sort le 30 septembre et je pense qu'ils ont dû décaler d'un mois. Franchement, je suis mort de rire parce que c'est une énorme boulette. Et du coup, les utilisateurs Xbox pouvaient avoir accès au jeu complet pendant une heure ou deux. Alors moi, les gars, je ne l'ai pas encore acheté sur Xbox, donc je n'ai pas pu jouer. Mais par contre, il y a plein de leaks qui ont été du coup dévoilés. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 40 meilleurs joueurs du jeu, les cartes régulières. Il n'y a pas de héros ni d'icônes. Les gars, d'ailleurs, vous me dites dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Et à ce moment-là, je vous balancerai ces vidéos. En tout cas, les gars, on est parti avec du coup les 40 meilleurs joueurs du jeu. C'est peut-être... Ça peut changer, voilà, ça peut changer. Maintenant, je ne pense pas que ça changera de beaucoup. En tout cas, on est parti avec du coup les premiers. Et on retrouve directement une page intéressante avec du Alisson, le gardien de Liverpool. Bon, ça bouge pas. Alisson, c'était noté pareil, 89. Du coup, voilà, sa carte n'a pas beaucoup changé, je pense. Par contre, regardez Neymar, qui lui a perdu 2 points de note. Et c'est très intéressant parce que là, il y a un downgrade en vitesse. Et comme chaque année, j'ai envie de vous dire, eSport a baissé la vitesse des joueurs. Du coup... J'ai envie de vous sortir le classique, le jeu va être lent, faut construire. Non, plus sérieusement, les gars, vous allez voir, c'est sur plein de joueurs pareil hein, que la vitesse a diminué. Du coup, Neymar qui perd quand même pas mal en vitesse. La carte est quand même assez belle, je trouve. Voilà, un downgrade de moins 2. Ça peut peut-être changer parce que c'est vrai que là, il fait un début de saison de ouf, Neymar. Hein, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1 pour l'instant. Après, c'est assez tôt pour juger, mais voilà, hein, 89, c'est quand même un moins 2. On retrouve... Du coup, Oblak aussi qui perd 2 points, qui était noté 91, on le retrouve à 89, voilà, avec, il me semble beaucoup moins en, c'est en réflexe, je ne sais plus, la première stat, mais en tout cas, ouais, ça a downgrade, hein, ça c'est une certitude, du 78 en dégagement, ou jeu à la main, je ne sais plus, c'est dommage, ça sort en anglais, mais vous voyez, il y a quand même eu un sacré downgrade, on retrouve Harry Kane, qui a été downgrade aussi, hein, qui a perdu 1 point. La carte est vraiment pas terrible. On retrouve Kimmich qui a la même note. Sadio Mané transféré. Les gars, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, certains joueurs ne seront pas transférés dans la mesure où eSport fera une mise à jour. Regardez Casemiro, par exemple, que vous voyez. Lui, il sera bien à United. Vous inquiétez pas, les gars, hein, évidemment. N'Golo Kanté qui a pris une chute en vitesse aussi, voilà. La carte a pris une calotte aussi un petit peu. Hein. C'était noté 90, je crois, Kanté. Et là, on le retrouve à 89. Du coup, ok, on a Ederson qui ne bouge pas. Du coup, on a Son aussi. C'est vrai, Son, je ne vous avais pas montré. Mais Son, c'est quasiment pareil. Je crois qu'il n'y a rien qui change, Son. C'est vraiment la même vitesse. Il y a 2-3 bricoles qui changent. Hein. Au pire, les gars, je vous mettrai la carte régulière... de Son à côté, mais c'est quasiment pareil. Du coup, ça, c'est OK. Nous avons ensuite une deuxième page avec des joueurs notés 87. Et là, il y a quand même des surprises. Franchement, je pense que vous savez de quoi je parle. Du coup, Robertson, OK, qui bouge pas. C'est la même carte, quasiment. Franchement, il n'y a rien qui me choque sur cette carte. C'est quasiment la même. On retrouve du coup Koulibaly à Chelsea, qui sera un top d'essai de la première ligue, ça c'est une certitude. Le gros problème chez lui, ça sera la qualité de passe, comme chaque année. De Jong, du coup, qui bouge pas. Je suis assez surpris, il a la même carte. Ok, 87. La carte n'est pas dégueulasse au passage. On retrouve Hugo Lloris, du coup,
également à 87. Mike Maignan, c'est vraiment un gros up et ça fait plaisir. Du coup, dans la hiérarchie des gardiens français, il est limite devant Lloris. Quand on regarde les stats, c'est quasiment pareil. Mis à part peut-être la troisième stat, c'est le jeu à la main ou le jeu au pied, putain, je sais pas. C'est incroyable. Après, c'est traduit en allemand, donc du coup, ouais, c'est même pas en anglais, c'est en allemand. On retrouve du coup, alors là, c'est une surprise, Rudiger 87, les mecs, ils ont abusé quand même, non? Moi, je trouve que Rudiger, ça va être une carte exceptionnelle, hein, quoi qu'il arrive, mais 87, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est mérité ou pas. Non, c'est beaucoup trop. Verratti, du coup, Verratti, 87, comme l'an dernier. Ça me choque pas, c'est peut-être, on aurait pu le downgrade peut-être d'un point, et encore, de 87, c'est correct. On a Thomas Müller, du coup, à 87, Goretzka et Rodri qui prend un up assez intéressant, même si la carte va être totalement injouable, à part dans un SBC, les mecs. On enchaîne ensuite avec cette page, et là, on a deux gardiens pour commencer, Ter Stegen et Navas, Navas qui sera au Napoli, normalement. Ruben Dias qui prend plus 1, il était 87, il est 88, c'est pas démérité. Bernardo Silva qui était 87, 86 même, qui passe à 88. Faut voir si le joueur bouge sur cette fin de mercato, parce qu'il se murmure qu'apparemment il serait sur le départ. On retrouve Haaland, alors Haaland c'est toujours pareil, hein. La carte est très sympa en début d'année, ça me fait beaucoup penser à Lukaku l'an dernier. Les stats sont très belles, mais probablement que ça va être jouable 15 jours, 3 semaines, donc on verra bien. En tout cas, j'espère qu'il sera quand même fort, parce qu'Haaland, moi, c'est un joueur que j'adore et c'est con, on ne peut jamais jouer avec. Donnarumma et Marquinhos. Marquinhos qui perd un petit peu de vitesse, on dirait bien. Pourtant, il prend un plus 1 sur le général. Donc, c'est vraiment une volonté d'y aller de baisser la vitesse. Modric, sa carte a l'air de ressembler pas mal à celle de l'an dernier, mis à part qu'il prend un plus 1 sur la note globale. À savoir, les mecs, que les 6 notes n'ont rien à voir avec la note globale. Hein. Les 6 notes, ce n'est pas une moyenne de la note globale. Hein. En fait, la note globale, c'est sur la saison. Et les 6 notes, bah, c'est IE qui décide et ça n'a rien à voir avec la note générale. Hein. Si vous prenez, par exemple, Kroos, les gars, vous faites la moyenne des 6, on n'est pas à 88. Hein. Mais c'est vrai que Kroos, sa carte, malheureusement, on va dire les termes, elle est dégueulasse. João Cancelo, qui sera du coup défenseur gauche, mais que vous pourrez jouer défenseur droit, qui a 88 et qui a une très belle carte, même si ça a manqué peut-être un petit peu de physique et de défense. Faudra mettre un style. En tout cas, belle qualité de passe et carte plutôt équilibrée, je trouve, c'est plutôt pas mal. Et enfin, les gars, la dernière page, les meilleurs joueurs, les 10 meilleurs joueurs, on peut le dire. C'est susceptible peut-être de changer un petit peu, les gars. Il faudra voir Day One hein, quand le jeu sortira, mais ça devrait vraiment se rapprocher de ça. Avec un Courtois 90, franchement, les gars, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur gardien en ce moment. Et je trouve ça cool qu'il soit du coup premier dans la hiérarchie sur FIFA. Donc ça fait vraiment plaisir. Je suis en train de regarder mon retour, les gars. Je ne suis pas habitué de filmer avec cette caméra. Van Dijk, du coup, qui me fait penser au Van Dijk de FIFA 20. Quelle carte. Sûrement le meilleur décès du jeu. Même s'il est très grand, qui ne sera pas très agile. Mais moi, je vais le jouer, c'est sûr. Si je peux me le payer, vu qu'on fait un compte à 0€. Manuel Neuer, du coup, qui est au-dessus. Mais pour moi, qui est... Voilà, sur l'année, c'est Courtois, le meilleur gardien. Et c'est vrai qu'il y a quand même Neuer à 90. C'est pas démérité. Mais quand tu regardes les stats, c'est vrai que Neuer a des plus que n'a pas Courtois et inversement. Notamment au niveau de la relance. Donc, il faudra voir. Le positionnement est un petit peu supérieur sur Neuer. Mais la stat en réflexe est meilleure chez Courtois. On retrouve Mossala, du coup, avec une carte à 90. Et oui, les gars, Mossala qui a une carte vraiment magnifique. Magnifique. Cristiano, alors là, parlons-en. Les gars, Cristiano, 80 de vitesse. Alors, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ils vieillissent, aussi bien lui que Messi. Mais c'est vrai que les deux, il n'y a pas de jaloux. 81 de vitesse pour les deux GOAT. Compliqué. Après, moi, ce que je trouve compliqué chez Cristiano, et là, je ne suis pas d'accord, c'est la stat en dribble. 85 de dribble. C'est-à-dire que plein de joueurs ont au-dessus de lui.
Après, c'est vrai qu'au niveau du tir, il me semble que Cristiano a la meilleure carte régulière au niveau du tir, 92. Après, c'est des 91 comme Lewandowski. D'ailleurs, on va enchaîner avec Lewandowski, qui perd 2-3 points de vitesse et qui aura du coup cette carte, a priori, le néo-barcelonais. Messi, qui a une carte downgrade également, il perd 1 point en dribble, je crois. En vitesse, ça perd quelques points, tout comme Ronaldo d'ailleurs. La passe 90, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à plus, mais bon, c'est OK. KDB, du coup, à 91, comme l'an dernier, avec une carte intéressante, même si, voilà, après, c'est du régulier, hein. De toute façon, les mecs, on sait tous les cartes régulières. C'est amené de plus en plus à devenir des fodders rapidement dans le jeu pour que les cartes spéciales des events prennent le dessus. Tout ça, les gars, c'est pour que vous mettiez des points. Faut pas chercher. C'est la politique d'eSport. Les cartes régulières vont être amenées à devenir des fodders vite. Et quand tu vois la gueule de certaines cartes, ça me confirme encore plus ma théorie. Karim Benzema, du coup, qui complète ce podium avec une très belle carte. Voilà, il a pris un up en vitesse. Tu vois, Karim, c'est comme le bon vin. Hein. Plus ça vieillit, plus c'est fort. Et sur fut, ça déroge pas à la règle. Franchement, c'est cool. La carte est sympa. J'ai hâte de peut-être le tester. Et pour terminer, les gars, Kylian Mbappé, meilleur joueur du jeu. Voilà, avec la meilleure carte, je pense. Il n'y a pas photo. Au niveau des ups, il me semble que ça prend plus un en tir. Et peut-être ça bouge un peu en physique, sinon c'est la même carte. Bref les mecs, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que les notes vous ont plu. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, c'est très important. Voilà, on peut en parler, ce que vous en pensez. Je vais vous mettre quand même en bonus quelques cartes parce que Vinicius n'était pas présent. Il sera à 86 de gêne apparemment. Vinicius Junior avec un up. Et pas des moindres, ça fait plaisir. Il y a Dybala aussi à 86 notamment. Les gars, vous me dites dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous en balancerai d'autres, il n'y a pas de souci. Le petit like aussi, ça fait bien plaisir. Ça m'aide beaucoup aussi pour le référencement. Et si vous me découvrez ou vous me redécouvrez, n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que la saison FIFA 23 arrive très vite et je vous promets du lourd. Allez les mecs, je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant du coup une bonne journée, un bon mercredi. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao.